Ajoutez encore 20 lignes directes et assurez-vous qu'elles restent constamment ouvertes. Préparez-vous pour le premier lot. Oui, monsieur. Mettez à jour le site web toutes les 5 minutes. Pour la fête du 20 mai, Newbury devra se démarquer. Votre attention! Dans 24 heures, nous serons le 20 mai. Je vais compter sur vous. Courage! 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 Où est Linsen? Au bureau, elle fait des ajustements. Regarde, c'est parti. Il faut vous dépêcher. Soyez courageux. Répandez les annonces sur Internet, dans les réseaux sociaux. Ok. Chez Ifensi, les ventes explosent. Mais ça au frigo pour le moment. Le champagne est plus savoureux quand il est frais. Compris. Comment est-ce que tu peux boire alors que nous sommes en guerre? Le fait qu'on soit en guerre ne veut pas dire qu'on ne s'amusera pas. Montrez-moi vite les données de vente de nos concurrents. Ok. Chen-chan, ne veux-tu pas te joindre à moi? Ça peut me calmer. Tu n'as pas vu que Ifansi nous a surpassés en vente? Ça va rester comme ça. Trouve une solution alors! Attends. Attendre? Dis-moi bien, que faut-il attendre? Il faut attendre qu'ils lancent leur loterie. Sinon, notre plan pigeon gris ne pourrait pas réussir. C'est le moment d'agir. Ok. L'heure de la fin d'Aïda commence enfin à sonner. Lancez la loterie dans 10 minutes. Très urgent. Il y a eu un piratage du système. Seul un expert pourrait accéder à notre système et changer le code. Nous avons recruté des employés. Mais leurs dossiers sont maintenant introuvables. Dites à Ours de mettre les nouveaux employés sous surveillance. Agissez en cas de danger. Gep. Améliore le pare-feu avant qu'il n'attaque. Allez-y. Ok. Ok. La première place. Nous sommes au sommet. C'est une bonne chose. Continuez comme ça. Où est Lin-Sian? Dans son bureau. Je supervise pour elle. Que fait-elle? Ceci est un grand test pour tout styliste. Elle est nerveuse. Que fais-tu ici? La guerre a commencé. Viens assister. J'ai la trouille. Autrefois, quand je me suis inscrite à l'université, j'ai eu très peur d'ouvrir la lettre venant de l'école. Ce genre de sentiment est de retour. Mais tu avais été admise. Les choses diffèrent maintenant. Mes œuvres pour YFNC ne sont pas ma spécialité. Je ne sais pas du tout ce que les gens penseront du style
et du prix. Il est temps. Lancez la loterie maintenant. La chaîne est lancée. La chaîne est lancée. Leur loterie est lancée. Est-ce que tes craintes se sont dissipées? Ningwekai, te foutais-tu de moi parce que tu connaissais l'heure de la loterie? Je ne connaissais pas l'heure. Mais pour un entrepreneur, il faut mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour maximiser le profit. Et le succès dépend de la façon dont on a su maintenir le calme durant les moments stressants. Nous sommes en guerre! Il faut beaucoup travailler! Allez, allez! Une cloche? C'est pour nous annoncer que nous atteignons 100 000. Tu veux dire la somme de 100 000 yuan? Et si on allait vérifier? Ok. C'est magnifique. Continuez, du courage, allez. Sûrement que Li Zhicheng est en train de célébrer les résultats de son entreprise. Peu importe. Allez. Bonne chance à nous. Pourquoi tant de gagnants? Hein? Seulement 10 personnes étaient censées gagner, mais il y a plus de 10 gagnants. Et aurions-nous été piratés? Gep, dépêche-toi de vérifier. D'accord, j'ai trouvé. Ils nous ont envoyé un virus très puissant appelé pigeon gris. Pour le neutraliser, il faut fermer le serveur. Fermer le serveur? Oui. Quel est le risque? 2000 personnes gagneront le premier prix. Tu veux dire que nous risquons de payer plus de 20 millions de yuan? Exact. Résous ça. Ok. Que se passe-t-il? Je vais aux toilettes, je reviens dans un instant. Ok. Grace, il faut y aller. Tu as un rendez-vous qui est prévu pour 6 heures. Annule le plomb. Mais pourquoi? Ça n'a pas été facile d'avoir ce rendez-vous. Souviens-toi qu'il est venu de New York. Il faut que je parte. Laisse se remettre du décalage horaire. Quand je serai libre, j'irai le rencontrer, ok? Grace! Aide-moi à lui expliquer. Grace! Mais, Grace! J'ai encore habité les enceintes d'Aïda. Il faut le couvrir.
Pour sûr, Li Zhechang ne s'attendait pas à ce qu'on lui tende le piège. J'estime qu'il doit être en train de pleurer. Je te trouve un peu bizarre. Au moment où nous approchons de la victoire, tu commences à avoir l'air inquiet. Ce n'est qu'à la fin que nous saurons s'ils ont perdu. Cap est en train de réparer le système, mais ce n'est pas prometteur. Je suggère qu'on ferme tout et qu'on arrête. Impossible. Nous venons de commencer les activités. Il faut qu'on continue. Si nous continuons à vendre, nous risquons de payer 20 millions. Et tous nos récents efforts ont été vains. Nous pourrons payer cette somme si nous gagnons plus de 100 millions. 100 millions ? Tu prends un énorme risque. Si nous n'atteignons pas 100 millions aujourd'hui, nous aurons un déficit. Je vais faire de Yi Fancy une marque très célèbre ce soir. Une marque de renom. Comme ça, les œuvres de Lin Tian seront reconnues. Don est assez populaire. Lin Tian pourra gagner en célébrité une autre fois. D'autres projets se présenteront. Nous aurons une autre chance. Monsieur, ces pertes sont énormes. Il faut qu'on arrête. Le boss, c'est moi. Gep ! Présent ! Ne ferme pas la page ! Oui, patron ! Tu as l'air pâle. Yaye ! Oui ? Viens ici. Oh. Emmène-la se reposer. Elle a de la fièvre. Ok. Vas-y. Repose-toi. Allons-y. Ninja. Te voir fâché est marrant. Quand tout sera fini, nous ferons la fête. Va voir où les gars en sont. Réparer le système. D'accord ? Je reconnais ma faute. C'est Xiao Gao qui a fait ça. Il a déjà fui. Je vais envoyer des gens le chercher. Laissons-le. Au flic. Dis à Gep de le dénoncer au flic. Ça va ? Ce pirate est malin. Il a tout modifié. Il faut te dépêcher. Quand vas-tu finir ? Assure-nous que tout va bien aller. Chaque seconde est très coûteuse. Taisez-vous. C'est sophistiqué. Je dois être prudent. Oh non, regarde les chiffres, ils continuent de monter, que faire ? Imagine, il y a beaucoup de discussions en ligne. Les gens disent qu'Ada essaie de les arnaquer avec cette loterie. Mets-toi au boulot. Ça a atteint 12 millions ! Du calme, je m'en sors. Réinitialisons. Vite! Ça passe. Hé? Hey. Un mot de passe? Un autre mot de passe? Assez, ça suffit. Allô, patron? Ça a atteint 13 millions. Faut arrêter. Je vous ai dit de continuer! Le montant a déjà atteint 15 millions. Si nous arrêtons, nous resterons en position de force. Au cas contraire, nous perdrons tout ce que nous avons. Attendons. Chaque seconde qui passe sur l'écran nous coûte beaucoup d'argent. Considère aussi le chiffre d'affaires.
16 millions. C'est grâce à cette loterie qu'ils achètent nos produits. Nous lui devons le succès. Il faut plutôt qu'on continue. Oui, mais tu ne peux pas garantir que le système sera réparé. Il faut réfléchir. Il y a encore une demi-journée avant que ça finisse. Si cette loterie nous coûtait plus qu'Aïda, ou Wanda ne peut payer. Le chiffre d'affaires atteint les 70 millions. Nous aurons un bénéfice. Si on arrête, les gens diront que c'était une escroquerie. Donc, continuons. Je joue le rôle de vice-président. Je ne te laisserai pas gaspiller l'argent d'Aïda et de Wanda. Ouvre-toi. 10 lettres. 6 lettres. Super. Singe. Ah. Autodestruction. 18 millions. À plus de 20 millions. Au-dessus de 20 millions, je vais tout arrêter. Monsieur, ne sois pas si têtu. C'est fini. Nous avons réussi. Ça s'est arrêté à 19,77 millions. Ils ont réussi. Ça ne fait rien. C'est déjà trop tard. Ils n'allaient rien sauver, même en annulant la loterie. Ils ont perdu presque 20 millions. C'était soit ça, ou être reproché. On les a eus. Et le pirate ne sera pas en danger ? Ne t'inquiète pas. S'il se fait attraper, il sait qu'il devra être discret, pour éviter des ennuis. Il faut plutôt plus faire attention à Li Jiuquan. J'ai appris une chose aujourd'hui. Comment faire face aux mauvaises passes. Et elle qui disait qu'elle n'avait pas sommeil. Salut. C'est bien. Prends ton médicament. Allez. Il faut boire ça. Ça va t'aider. Vas-y. Allez, bois. Tu as la grippe, mais tu ne veux pas prendre soin de toi. Que ferais-tu sans moi? Tu vas mieux? Je m'inquiète. Je vais les épauler. Reste ici, Lin Qian, mon ami. Repose-toi encore un peu. Je reviens te chercher dans 5 minutes. Je vais revenir te chercher. Donne-moi 5 minutes. 5 minutes ? Ok. Tu es très fatiguée. Tu iras mieux quand tu te réveilleras. Fais attention à ta tête. Il y a une faille dans le système d'Aïda. D'où les mauvaises réactions sur Internet. Je souhaite que vous puissiez les contenir avec les ressources à votre disposition. Chez Gris, nous le ferons. Nous changerons la crise d'État en une opportunité. Je compte sur vous.
Contactez-moi en cas de besoin. Ok, nous allons bosser dessus. Grace. Elle allait appeler tôt ou tard. Réponds. Allô, Grace ? Que se passe-t-il, nom de Dieu ? En fait, quelqu'un a piraté notre système et notre code, d'où notre plan a été déstabilisé. Mais maintenant, nous avons identifié le pirate et maîtrisé la situation. Maîtrisé ? Mais il s'agit d'une perte de 20 millions. Comment allons-nous y remédier ? On a fait une promesse. La tenir était notre seule option. Monsieur Lee. J'espère que ce n'est pas ton pari avec Wekai qui t'a fait perdre la tête. Ce pari compte moins que la notoriété d'Aïda. Même si je quittais l'industrie de la mode. Je laisserai à Aïda une bonne image. Monsieur Lee a bien raison. Alors, les 19,77 millions seront reçus à temps par les clients. Lee Jojang est malade. Le loto avance. Il semble que Lee Jochen soit déterminé à lutter jusqu'à la fin. Il irait jusqu'à sacrifier son entreprise ? Tout ce qui compte pour Lee Jochen, c'est la réputation d'Aïda. Et non l'argent qu'il perdra dans cette loterie. Comme il fait sortir de telles annonces, ça veut dire qu'il a trouvé les moyens de minimiser les pertes d'Aïda. Si notre chiffre d'affaires parvient à dépasser 80 millions, pour Aïda, ce sera vraiment un succès remarquable. 80 millions ? Savez-vous comment nous pouvons enregistrer ce chiffre d'affaires ? Grace, tu es des nôtres. Fais des suggestions. C'est urgent. Fais un choix. Cet objectif n'est pas facile à atteindre. Dans ce cas, nous nous battrons pour gagner. Monsieur Lee vient juste de demander à Gep d'ajouter d'autres 23 000 tickets. Leur tirage au sort concerne la catégorie de ceux qui dépensent plus de 3 000. Cela devrait attirer les clients. C'est une bonne idée. Sûrement que ça va faire sensation quand nous l'annoncerons. Dis donc, quelle est ton opinion en tant qu'expert des médias ? Que les médias ne sont pas un souci pour vous. Je m'en suis chargée. Quand vous aurez fait l'annonce, tous les médias la mettront dans les gros titres. À ce moment, la réputation d'Aïda et l'image de Wifancy vont monter en flèche. J'ai entièrement confiance en toi. Avec l'aide de Grace dans les réseaux sociaux, je sais que nous sommes bien placés pour vaincre nos rivaux. Avez-vous autant de tickets ? Le chiffre d'affaires va augmenter. Monsieur Gou, venez regarder. L'annonce vient de sortir. Monsieur Gou ! Les gens partagent l'annonce. Elle est le sujet tendance. Très bien. Et nos ventes continuent d'augmenter, plus que tout à l'heure. C'est bien. Continuez comme ça. Il semble qu'Aïda ait conquis le public. Dans ce cas, que peux-tu suggérer que nous fassions ? Notre seule option est de réduire nos prix de vente et concurrencer Aïda. Je ne pense pas. N'oublie pas qu'il est trop tard pour qu'on se retire. Je vais être clair avec toi. Nous nous sommes convenus de coopérer. Et non que tu lises Simechi contre Lee Jochang. Toi et Lee Jochang pouvez vous haïr comme vous voulez. Ne me mêle pas à ça. Tianjian. As-tu bien réfléchi ? Si tu te retires maintenant, tu ruineras la commande d'Ankada. Les usines que tu as louées sont toutes sous contrat, à long terme avec Newbury. Niwenkai, est-ce que tu me menaces ?
Absolument pas. Je ne fais que te rappeler. Si Aïda te ravit la première place en ligne, avec ton mode d'opération, tu ne pourras pas du tout rivaliser avec eux. Si tu perds aujourd'hui, alors ce métier n'aura plus d'importance pour Newbury. Ce que tu dis là est raisonnable. Faisons ainsi alors. Carlin. Va faire comme je t'ai prescrit. D'accord. Ningwekai. C'est pour plus de bénéfices que j'ai accepté ça. Hors de question. D'avoir des pertes. Je le sais. J'actualisais ce site et j'ai lu que Newbury et Sumechi ont annoncé une solde. Ils offrent une réduction de 20% sur le prix initial. Leurs ventes commencent à exploser. Ils sont malades ? Ils avaient fixé le prix minimum et ils font des soldes. Ils veulent que nos clients retournent leurs produits. Le chiffre d'affaires de Newbury a dépassé le nôtre. En plus, il augmente. Que faire ? La loterie s'est clôturée et ils offrent une solde. Ils veulent nous ravir tous nos consommateurs. Ningwekai va gagner à tout prix. Il baisse le coût en violant les règles. Je me demande comment il va expliquer ça au groupe Q. Il est prêt à tout sacrifier, pourvu qu'il gagne. Il est déterminé. Stop, stop! Où tu veux aller? Reste calme. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Sergor est retrouvé. Est-ce que la police a des preuves? Nous avons lancé des recherches sur tous les ordinateurs de notre réseau. Nous avons conservé toutes ces données. Il nous a causé une perte de dizaines de millions. Pour quelle raison? Pour ses intérêts. Ou pour ceux des rivaux. Ah là! Heureusement que le système est réparé et le virus étouffé. Qu'est-ce que j'aurais fait si les choses avaient empiré? Ça va. L'important a été sauvé. Va améliorer le réseau. Que ça ne se reproduise plus. D'accord, je m'en vais. Même si les données montrent que Newbury et Sumeichi nous surpassent, le chiffre d'affaires d'Aïda est de 100 millions. Arrête de faire cette mine. Détends-toi. Je vais à la police, hein? Où vas-tu? Remonte! Je suis inquiète. Où en sont les choses? 100 millions de yuan. Remonte. 100 millions? Hein? Je veux le voir par moi-même. Pour l'instant, il faut te reposer. Obéis. Tu as bossé dur ces derniers temps. Tu es malade. Repose-toi bien. Retrouve ta forme. Ne fais pas de va-et-vient en cet état. Tu m'inquiètes. Je suis en pleine forme. Je veux me joindre aux autres pour voir comment les choses évoluent. Personne ne tient à moi, après tout. Hey, moi je t'aime et je ne peux pas te laisser te comporter comme ça. Hein? Mais...
Tu viens de dire quoi? Madame! Moi, Li Jiuchang, aime Lin Xian. C'est la vérité. Mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as dit de façon très... formelle. Il faut être plus romantique. Dans la lune d'argent, Yang chung de bie de wurong, Pour tu na shi chung dong, Shi xin dong. Dans ni di to de shi hong, Rougou shuang, Xin tao shung, Hui rang wo zi chung. Lin Xian, je t'aime. Sois ma copine. Ça fait combien de temps que tu ressens ça? Depuis le projet de Ming Xiang. Quand tu étais dans l'eau, c'était beau. Oh mon Dieu, ok, ça suffit. Mais pourquoi as-tu choisi ce moment pour me dire ces mots-là? J'ai voulu profiter du moment où tu es faible. Tu es très rusé. Maintenant, retourne travailler. Allez, va-t'en. Je ne pars pas si tu n'acceptes pas. Mo Chen, c'est incroyable. J'ai vu le nombre de tickets gagnants monter exponentiellement. C'était la première fois que l'argent me rend aussi triste. Je me suis presque évanouie. J'ai suivi les performances d'Aida le 20 mai. Li Jiuchang n'a pas pris de repos. Il est très fort. C'est vrai, il est résolu. Très beau aussi. Il ne change pas d'avis quand il a déjà décidé. Mais je ne savais pas qu'il était aussi audacieux. Audacieux? Un vrai homme n'utilise pas son audace dans les coups bas. Je ne peux pas te laisser travailler avec un boss pareil. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que tu n'accepterais pas? Depuis que tu l'as croisé, les décisions qu'il prend ne sont pas simples. De l'époque où il a pris Aida de Wenda, en passant par la loi du projet d'Akeda, jusqu'aujourd'hui, c'est un très beau manipulateur. Que veux-tu dire? Je veux dire, une personne qui fait quelque chose d'incroyable et gagne des bénéfices, de façon à rendre tout le monde administratif, Li Jiuchang est ce genre de mec. Il a fait croire à tout le monde qu'il est crédible. Et il s'est fait du pognon. Il a gagné la confiance de tous au tout début. Pour que personne ne remette en question ses actions ultérieures. C'est grâce à ça qu'Aida s'est sortie du piège et a fait autant de bénéfices. Tu es ma sœur, je te connais parfaitement. Tu es pure, gentille et responsable. Et si un boss aussi rusé cherchait à te manipuler ou tendait un piège pour te causer des ennuis, on ne sait jamais. Mo Chen, il ne faut pas dire ça. J'ai accepté d'être sa copine. Quoi? Je m'y oppose fermement. Tu t'y opposes pourquoi? Ces intrigues sont pour l'intérêt de son entreprise.
Il n'est pas comme ça, Onamour. Je sais qu'il m'aime beaucoup. Prends tes médicaments à temps. La nourriture aussi. Sinon, gare à toi. Il est si bon. Il est parfait. Je suis tellement amoureuse de Lee Jo-chan. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu quelqu'un qui tient autant à moi que lui. Je n'accepterai personne d'autre que lui. Tu ne me feras pas changer d'avis. Je ne veux personne d'autre que lui, tu comprends? Compris. Oh mon Dieu! Je me suis trompée. J'étais en train de taquiner mon frère. Ce sont des bobards. Le petit déjeuner est là! Après cette nuit de labeur, vous méritez un bon petit déjeuner! Allez, venez! Qu'est-ce que c'est bon? Prenez votre petit déjeuner! Doucement! Il y en a pour tous! Ton petit déjeuner, là? Que fais-tu ici? Tu vas mieux? Je me sens mieux. Non. Comme je ne t'ai pas aidé, je t'ai apporté le petit déjeuner. Tu as mangé? J'ai déjà mangé. J'ignore ce que sont tes plans du futur, mais je sais que Aida va devenir grande. Rome ne s'est pas construite en un jour. Il faut être patient. Il faut te détendre. Je suis à toi en cas de besoin. À propos, où en sommes-nous? Jusqu'ici, nous n'avons pas dépassé Newbury et Simetti. Allons, ce n'est rien. Aida a fait de loin mieux que ce qu'on espérait. Et nous allons être présents jusqu'à la fin des activités. Et qui sait, ça peut changer. Ce qu'il dit est vrai. Après notre repas, on va travailler. D'accord. Ayez du courage! «
Lisa, je viens de revenir. Xiaogao a été arrêté. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a en effet tout avoué. Sa cagnotte pour ce qu'il a fait est un montant de 3 millions. La police nous aidera à récupérer cette somme. Il a insisté que c'est une initiative personnelle. Personne ne l'a encouragé. Je le savais. Qui est-ce qu'il aurait utilisé comme bouc émissaire ? Tout est réglé avec Xiaogao. Sa famille a besoin de cet argent. Il ne parlera pas. Prépare alors sa récompense. Envoie-la-lui vite. Il nous a rendu service. Prends soin de sa famille. Tout ira bien. Je serai là pour eux. Je ne m'attendais pas à ce que Li Zhechen obtienne les preuves et le traîne en justice. J'ai maintenant pitié pour Xiaogao. Sans votre aide, il n'aurait pas eu l'argent nécessaire. Donc, il ne perd pas.谢谢你的我，江城的告白，让我在时光里期待，芳草萋萋也等着你，你擦肩而过，余温还在。 爱情才明白，你的青睐会黯然，梨花落，樱花开，谢谢你真好，也在。 孤单的站台，你已经不在，带着一程回忆离开。当你没飘飘想到了故事的开始，少年归来。 终究会发现，许过心愿，泣过无言，高呼谁胜，将谁牵？谢谢你真好，也在。